J'espère que vous allez bien. J'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos que vous allez voir probablement souvent là, au mois de novembre, hein, décembre aussi. En fait, c'est des idées cadeaux. Voilà. C'est sponsorisé par ma propre carte bleue. Non, mais il n'y a pas que des partenariats sur ma chaîne, hein, comme je vous l'ai dit dans mon blog. Je me suis fait plaisir, j'ai voulu m'acheter un truc parce que... un machin, un bidule, parce qu'en fait j'ai vu sur Instagram, voilà, la fille elle est déjà perturbée parce qu'elle a vu une proposition que si on offrait un coffret, on avait un autre coffret offert, voilà, un coffret d'automne offert. Donc j'ai craqué, je trouve que c'est une bonne idée. Oh, ils m'ont mis plein. Ah non, je les avais achetés à part ceux-là. Oui, c'est vrai, j'avais rajouté, c'était 1 euro les 5. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas tous partis parce que j'en ai récupéré un dans mon sac. Je reviens. Effectivement. J'en avais un. En fait, quand j'ai été chercher mon colis, je l'ai eu à l'accueil de mon magasin. En fait, je l'avais fait livrer là-bas. Comme ça, je pouvais le récupérer dès ma sortie de boulot. Il y avait ça dans le sac dans lequel j'avais mis mon carton. Donc, il s'agit de quoi? De coffret de thé. Ouais, vous savez que j'aime bien le thé. Voilà. Je pense qu'on me les a tirés. Hein. Je pense clairement qu'on me les a volés. Ça m'embête. Je vais leur faire un mail. Voilà, parce que... Regardez. Merci et bonne dégustation. Voilà, donc c'est... alors, les deux marmottes, c'est une marque qui m'a fait de l'œil depuis très longtemps, que je voulais essayer. Et ben, il va falloir que je vérifie sur ma commande ce que j'avais rajouté, parce qu'il me semble que j'avais rajouté plusieurs lots à 1 euro comme ça. Bref, là j'ai verveine et pisse mémé. Et verveine, voilà. Et là c'est au thym, donc ça j'aime bien l'hiver. Donc je crois que c'est 1 euro les 5 quand on les achète au détail. Ça permet d'avoir un petit assortiment. Donc si on prenait un coffret, on avait celui là d'offert. Donc je me dis, pour des idées cadeaux, c'est peut-être pas mal quand même quand on sait pas quoi offrir à tonton, à tata, à la voisine, à la maîtresse, enfin je sais pas. Après, encore faut-il savoir connaître les goûts de la personne. Donc c'est bien fermé comme ça, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, vous allez mieux voir. Donc je viens de décrocher ça, et cool. Oh, c'est bien présenté en plus. Oh, j'adore. Ah, c'est bien présenté, vraiment, ça fait son petit effet. Donc, boostez-moi. Ah, bah, c'est marqué là. Oh, fleur d'hibiscus et du guarana pour repartir sur les chapeaux de roue. Vroom. Camomille, faites-vous une petite fleur avant de vous endormir. Bon, j'ai pas besoin. Verveine. Je crois que je vais les mettre là, ce que j'ai là. Verveine, hop, et bah là. Verveine, véritable potion magique des druides. Oh, la vallée de Dana, ça me fait penser à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, parce qu'il y en a deux de thym. Ah bah le thym, oui, bah j'avais pas vu ce qu'il y avait dedans. Il y en a deux de thym, donc je vais les mettre avec. De toute façon, c'est pour moi, hein, autant qu'ils soient rangés. Voilà, du thym, du thym, du thym. Ça, j'aime trop. Quand on est un petit peu enrhumé et tout, le thym, franchement, je trouve que ça dégage un peu les voies respiratoires. Donc, un souffle d'air frais pour désencombrer, on respire. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, cocktail digeste. Ton anis vert, ton fenouil et ta sauge contribuent à notre digestion et nous rendent léger, léger, léger. Oh, bah ça c'est bien, ils en ont mis deux. Frissons d'hiver, celui-là il m'intrigue. Écorce de cannelle. Et girofle en font l'infusion officielle des frileux, même pas froid. C'est très joli en plus. Voilà. Et ça, avec son tilleul et sa verveine et ses pétales de fleurs d'oranger. Oh, vous allez vous reposer sur vos quatre oreilles. Infusion des marmottes.
Voilà. Donc c'est très très joli. Cocktail digeste, tout ça, tout ça. Celui-ci, c'était celui de l'automne qui était offert si donc on achetait un coffret. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est trop bien. Enfin, en fait, on. Bonjour, vous voulez un petit thé? Ben, je voulais choisir. Hein. J'ai préparé l'eau, les tasses, c'est cool. En plus, comme il y a toutes les descriptions, franchement, ils sont cool leur coffret. Et en fait, c'est celui-ci que j'ai réellement acheté. Hop. Fabriqué en France, dans les Alpes françaises. Donc celui-ci s'appelle Au coin du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Au coin du feu. Cozy Winter. Donc là, peut-être on va retrouver les mêmes choses que précédemment. Oui. Donc le thym, bah oui, il y en a un sacré paquet du coup du thym. Je pourrais en prendre tous les jours. Donc préparation pour vin chaud. Alors moi je suis pas très fan du vin chaud. Alors, préparation pour vin chaud. Écorce d'orange, cannelle, girofle à infuser dans du vin pour le plus chaud des après-ski. Ok. Ah. Bon, je ne suis pas très fan. Quel genre de vin vous prenez, vous, pour faire du vin chaud? Moi, je ne suis pas très vin chaud, donc voilà. Boostez-moi. Celui-là, il m'inspire. Petit boostez-moi, comme ça, orange. Avec de la fleur d'hibiscus et du guarana pour repartir pardon, sur les chapeaux de roue. Ok. Romarin, rosemary. Un ami qui vous veut du bien dès le matin. Ah ouais, on peut prendre ça. Mais elles sont trop. Enfin, en vert comme ça, elle est trop belle en plus, là, la pochette. Détoxez-vous, détoxez-moi. Non, détoxez-vous. Curcuma, romarin, citronnelle, la cure sera encore plus belle. Ok. Le thym, bah, c'est pas besoin que je vous les montre. Vous les avez déjà vus. Infusion des marmottes, je vous l'ai déjà montré. Frisson d'hiver, je vous l'ai déjà montré. Et là, c'est pomme cannelle. Une recette relevée à la cannelle à vous faire tomber dans les pommes. Ok. Relevez le défi d'une infusion fruitée sans arôme ajouté. Nos maîtres infuseurs l'ont fait. Pomme, cannelle, rooibos. Mais c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. Donc je trouve que c'est un beau petit cadeau. Hein, parce que les deux marmottes, c'est quand même une jolie marque. Et voilà, ça fait son effet. Enfin, voilà, c'est un beau petit coffret. Il y a toutes les explications là. Enfin, moi, je trouve que c'est. Franchement, c'est bien. Alors, je vais vous lire un petit peu ça là. Engagé par nature, de la parcelle jusqu'au sachet. Puis en plus, quand vous recevez les mails, ils marquent votre colis a quitté le terrier. Enfin, c'est trop mignon en fait, les petits trucs comme ça. Nous cultivons une relation de proximité avec agriculteurs et cueilleurs. Nos infusettes sont sans colle, ni ficelle, ni agrafe. Ben, on va vérifier ça tout de suite. Je vais m'en faire un pétale de fleur d'oranger. Celui-là, il m'intrigue. Infusion des marmottes. Celui-ci m'intrigue. Je vais me le faire. Je vais me le faire celui-là. Voilà. Ah ok. Bah, c'est un petit sachet comme ça. Il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas d'agrafe, il n'y a pas de carton. Ah, ça sent le frais. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool, c'est bien. Ouais, je vais me faire ça tout à l'heure. Bim, j'ai fait tomber un truc. C'est pas grave. Ancré dans notre territoire, nous travaillons avec des partenaires locaux. Ce coffret a été assemblé par une structure permettant aux personnes en situation de handicap, ça c'est super bien, d'exercer une activité professionnelle. Il y avait ça aussi pour les dosettes de lessive que je prenais aussi. Moi j'ai arrêté parce que bon, au bout d'un moment j'avais envie de changer de lessive, mais je l'ai pris pendant très très longtemps la lessive. Ah! Ça s'appelle sans marque. Non, je ne sais plus. Ah, je ne me rappelle plus. Bon, c'est un nom comme ça, sans marque ou un truc comme ça. Et chaque sachet est suivi à la trace. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref. Voilà. Et puis, je trouve que ça fait bien là dans la cuisine ou sur la table basse et tout. Voilà. Petit. Jamais d'arôme ajouté. Voilà. Les deux petits coffrets comme ça. Je trouve que c'est sympa. Et là, vu que j'en avais un gratuit,
J'ai pas hésité. Depuis longtemps, je voulais tester. Ah, mais j'en ai un autre là. Pisse mémé. Ah oui, ça c'est quoi, pisse mémé? Voici une recette 100% plante sans un poil d'arôme à ajouter. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ah, feuilles de cassis, lavande, bardane et queue de cerise. Ah, ça doit être genre détox aussi. Je vais le mettre avec le truc un peu détox. Détoxez-vous. Voilà, je vais le mettre avec. Voilà. Ça, c'est quoi? Hop. C'est pas la même couleur, mais ça le fera. Voilà. Nickel. Bah moi je suis contente et je me suis dit que j'allais vous proposer ça à voir. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée. Donc dès que je trouverai des trucs très sympas comme ça et que j'aurai envie de me les acheter ou quoi que ce soit, même éventuellement si c'est un partenariat ou autre chose, et ben ça peut faire idée cadeau. Donc idée cadeau numéro 1, c'est les petites infusions, les deux marmottes. Voilà. Et je vous rassure, enfin, pour les mauvaises langues, ce n'est pas du tout un partenariat. Allez, je fais des gros bisous, à très vite!